fioul. Salut Fabien. Salut Mathieu. Alors il paraît que tu veux me montrer quelque chose aujourd'hui. Mais je vais te dire un truc. Moi c'est low fuel. C'est pas vilebrequin. Hein. Alors aujourd'hui, ça c'est de la déco. Je vais te faire essayer autre chose. Et c'est ici que ça se passe. Ah, là je commence à comprendre. Fabien, c'est toi qui importe cette machine en France. Exactement, donc ça c'est un 6 carré 8. Donc c'est un hélicoptère ULM de classe 6. C'est la classe 525 kg en France. Oui. Et en Allemagne. Et en Allemagne, et on a eu les autorisations, la certification allemande qui va jusqu'à 600 kg. Fabien, est-ce que tu peux nous parler un peu du moteur, de la boîte de transfert principale, etc. Bien sûr, je te montre ça, regarde. J'essaye de retrouver un peu mes repères, mais en gros, bon, là on trouve un Rotax classique préparé par EPA. C'est le 914 qui est préparé par EPA, ouais. Et qui devient du coup le 917, qui délivre 135 chevaux à 5500 tours. On est sur de l'injection. L'avantage de cet hélicoptère, il est équipé d'un embrayage centrifuge. Ça permet d'avoir un embrayage qui est souple et beaucoup plus linéaire. Et donc, tu ne vas pas avoir de clutch. C'est quand tu mets des gaz que ça embraye. Exactement. D'accord. Tout se fait automatiquement. Le double circuit classique qui est pris sur des motos Ducati de mémoire pour la compétition, c'est ça? Exactement. Donc, c'est double allumage. Tout est doublé. Les alternateurs sont doublés également. Tu as deux alternateurs sur la machine? Deux alternateurs sur la machine. Ah, ça, je savais pas, tiens. La partie admission est vraiment très, très belle en carbone. Là, c'est vraiment du très, très beau carbone. Je suis assez surpris. Ouais, ils font du beau boulot. Ouais. Ici, on a la BTP. C'est quoi le potentiel d'une BTP chez 6 carrés? Alors, le potentiel, c'est 2000 heures. 2000 heures. Et on a une révision qui est tous les 600 heures. Ouais. Et c'est un échange standard, donc pas besoin d'attendre que notre boîte de transmission se fasse réviser. On prend une nouvelle et on la met à la place. D'accord, c'est pareil pour la BTA? C'est pareil pour la BTA, ça marche pareil. Alors je vois un truc qui est pas mal, j'ai ça sur mon cabri aussi, on a un Flextor là. Et on voit qu'il y a un système de redondance qui fait que si jamais le Flextor casse, il y a un boulon qui est engrainé à l'intérieur et qui fait que ça continue à tourner. Ça doit faire un fameux bruit, mais ça c'est une sécurité que j'avais jamais vue. Alors je connais pas très très bien les classes 6, mais j'avais jamais vu ça sur un classe 6 encore. Donc je trouve ça plutôt chouette. Ici on a toujours le même triple système de refroidissement, on a tout, de l'huile, de l'eau, de l'eau, de l'air, exactement. On a des ventilateurs qui sont quand même conséquents dessous pour éviter les surchauffes moteurs, surtout en stationnaire. Ouais, fan 1, fan 2. Ouais. Je crois que tous les classes 6 que j'ai vus, moi en tout cas, étaient équipés pareil. Ouais, ils sont un peu toujours le même système. C'est la base, ouais. Bon, on va continuer vers l'arrière, on a une queue au banné. Exactement. Ouais, ça a l'air d'être bien costaud ça. Plutôt costaud. Donc là, on a les paliers aussi pour la transmission. D'accord. Donc on a deux paliers. Et après, on arrive sur la boîte de transmission arrière. Ouais. Là, on a quelque chose qui est vraiment très classique dans le design. Pour moi, c'est la taille d'une BTA de R22. Mm-hmm. Et je trouve que ça a l'air plutôt rassurant en taille et en conception par rapport à des trucs que j'ai pu voir un peu plus light. Franchement, j'aime bien le design. J'aime beaucoup la dérive qui me fait penser à celle d'un MD500. Ça me fait un peu penser au joli MD500 qui est garé juste à côté de mon R44 au Moulineau. Petit clin d'œil à son propriétaire s'il regarde. Bon, voilà, une béquille. On voit que on a une légère orientation qui permet de se poser si on perd le rack. Exactement. Donc ça, c'est le classique. Et puis surtout de ne pas avoir d'effort. Ouais, d'effort au pied, c'est plus confortable. Quand on est en navigation, c'est sûr, c'est plus confortable. Ouais. Ok. Les pales, c'est quoi comme matière? Les pales, c'est du. Alors, il y a du carbone et composite. D'accord, carbone et composite. Donc voilà, il y a une tranche donc qui est renforcée. Ouais. Et après, ça reste du composite. Et c'est fabriqué où ça? C'est fabriqué en Argentine directement. D'accord. Via un fournisseur qui fait là-bas, fait toutes les pales de 6 carrés. L'admission là me plaît vraiment. Si tu la retrouves pas demain, ce sera sûrement 44. Moi, il va me manquer des cylindres. Alors bon, alors là, voilà, on est en plein dans le classique. C'est-à-dire, tu as l'impression finalement que c'est pour faire un set de DJ, quoi. T'en as partout. Le Motec, c'est ce qui va gérer toute la préparation moteur. Mmh. Donc en fait, c'est ce qui permet de refaire des reprogrammations, donc par et pas power. Mmh. Et en fait, dans ce Motec, il a toutes les caractéristiques de vol et toutes les caractéristiques moteurs qui sont enregistrées en temps réel. Alors, ce que je trouve pas mal, c'est que globalement, tout ce que je regarde depuis tout à l'heure, on a une bonne accessibilité. Ça, c'est tous les renvois pour la commande de rack. Tout est assez accessible. Je vais arriver à voir vraiment tout le chemin
ça arrive d'ici, ouais. Ici il y a un renvoi d'angle, un autre renvoi d'angle, la commande ici, un renvoi d'angle, et là ça part directement dans la queue. Je trouve que les ouvertures, bon après ça reste un classique, il n'y a pas trop de capotage, mais en fait on voit bien tout le détail de la machine. Et moi qui suis, bon ben voilà, soyons clairs, je ne suis pas ultra rassuré en classique parce que, parce que j'ai l'habitude d'avoir le cul dans un certifié. Je trouve que c'est rassurant de voir tout. On a une tête de rotor qui est assez franche, assez, qui a l'air suffisamment massif pour ce qu'on veut faire avec. Très particulier quand même le mécanisme où les commandes sont à l'intérieur du marotor. Ça fait penser à une autre machine, le CH77. Exactement, donc ça peut faire penser au CH77, donc il y a le même système, donc tout passe par le marotor, toutes les commandes. Et en fait, voilà, ça a été créé par Sicaré il y a quelques années déjà. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que le CH77, CH, c'est pour Sicaré hélicoptère. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais alors, cette légende est probablement vraie. D'accord, ok. donc oui. Donc, il y a une petite inspiration, on va dire. Une petite inspiration, voilà. Après, c'est pour ça qu'on retrouve des choses similaires sur d'autres hélicoptères. D'accord. Mais d'ailleurs, sur l'Enstrom, ouais. Qui est certifié, ouais. C'est un système qui ressemble à ça. Hein. Ah ouais. Tout le monde a copié Enstrom parce qu'ils étaient là au temps des dinosaures. Donc. Alors là, on a le filtre à air. Ouais. Derrière, on a un turbo. Un turbo, ça suce très 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 fort, ça inspire très 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 fort. Et du coup là, mettons que tu te poses le patin dans la rivière, tu fais bombardier d'eau après, non? Alors ouais, il faut pas faire beaucoup de stationnaire au-dessus de l'eau pour éviter toute l'eau qui rentre dedans. Mais ça, c'est vrai que ouais, c'est... Alors il y a des précédents, c'est arrivé, donc il faut faire gaffe à ça. Ouais, donc deux réservoirs, comme la contenance. Donc deux réservoirs de 32 litres. 32 litres, donc 64 litres. Exactement, 64 J'étais premier en maths tout le temps. Et ça nous fait combien avec la conso en... donc ça fait, on va dire, on consomme entre 20 et 23 litres à l'heure. Donc dans les 3 heures. Ouais, voilà, 3 heures max. C'est ce qu'on retrouve quasiment sur tous les hélicoptères, sauf le Cabri qui fait le malin avec ses 4h20, 4h30. Ouais. Donc la vitesse, on est à 72 de croisière. Ouais. Donc pour ce que ça reste, on peut aller plus vite, mais après, il faut avoir l'intérêt d'aller plus vite. L'intérêt d'aller plus vite, c'est d'arriver plus tôt. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, ça marche. Bon, bah, on va fermer ça et puis on va regarder l'intérieur. Allez. L'habitabilité, franchement, je me sens pas plus oppressé. Que dans mon Cabri, on a autant de place que dans un Cabri qui est très roomy. Vraiment, à la limite, on se dit même qu'ils en ont mis un peu beaucoup devant trop, et que c'était pas la peine d'en faire autant. Mais ouais, on a une bonne vue sur les pieds là pour la DZ, ça peut être intéressant. Exactement. Ouais. Franchement, je suis surpris de la taille à l'intérieur de la cabine. Et puis, je suis assez large d'épaule et on ne se gêne pas. Et ça, j'ai eu l'occasion de voler dans des machines où vraiment, c'est la promiscuité, on va dire. Ouais. Donc là, c'est plutôt agréable. Après, pour mettre si peu de trucs, est-ce qu'on a besoin d'un si grand? Oui, j'avoue. Je suppose que tu peux mettre dessus un full glass cockpit, en fait. Exactement, on peut mettre à sa guise les instruments qu'on veut. Là, on est en standard, très classique. Je rigole souvent en voyant des gens embarquer des full effis dans des machines avec lesquelles ils font des tours de piste. Bon, ça a l'air pas mal agréable, ça. J'ai hâte de l'essayer. Alors, on a un panneau là. Là, ça me plaît vachement, ça, parce que tu as l'impression d'être dans un gros hélicoptère. Là, tu as envie de faire clac, 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 et puis, bon, il n'y a pas de turbine, ça ne va pas faire. C'est amusant, ce type de manche. On a un ressort qui enlève le manche des genoux. Et si on veut piloter, on descend comme ça. Ce qui est l'avantage aussi du manche comme ça, c'est que quand on est deux ou on veut faire piloter un proche, c'est beaucoup plus simple que les manches à balancier, je trouve. C'est vrai que l'autre personne, elle va être obligée de tenir. Alors après, tous les instructeurs qui sont les seuls habilités, n'est-ce pas, à faire piloter des gens dans un hélicoptère, savent parfaitement piloter avec la main en l'air. Mais bon, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Sur la grande majorité des ULM sur lesquels j'ai eu l'occasion de voler ou dans lesquels j'ai eu l'occasion de monter, les palonniers me faisaient peur à chaque fois. Et là, là, on a l'impression... Je dis bien l'impression, après je sais pas, il faudra que je teste, d'avoir un truc plus sérieux. Le système pour régler la longueur des palonniers a l'air intelligent. On voit qu'il y a trois positions. Hein. Ouais. C'est des pins. Donc. Ça a l'air plus massif. Parce que moi, je me suis retrouvé des fois avec les pieds posés sur des trucs. Tu as l'impression que c'est un tuyau de cuivre qui a été courbé et puis qui a été peint. Et franchement, tu te demandes ce que ça va donner si à un moment tu pousses un peu. Quoi. Fort, ouais. Je crois qu'il nous reste qu'un truc à faire, c'est aller l'essayer. Hein. Exactement. Mathieu, tu nous suis? Eh ben, je vous suis, hein. Bah, à tout de suite. C'est parti, tout de suite. Avant démarrage moteur, tous interrupteurs off. Alors, on va garder le son comme ça, hein. Pas besoin de lester. Le casque pitot est là. Les ceintures attachées de ton côté. C'est bon. Friction.
Mais c'est vrai, ce serait bien qu'il y ait un enrouleur, je trouve, sur la ceinture pour pouvoir avancer. Ça, si t'as des petites remontées que tu peux faire, c'est un truc qui est, je trouve, pas simple. Attention, le même test, le pas. Oh, hop, vas-y, kick. On note la friction serrée, le collectif, position basse, friction serrée. L'essence est ouverte, la flèche en bas. Le master on, c'est déjà fait. Toute lumière on sur le panneau, j'ai vérifié tout à l'heure. Le carburant Motec, tu viens remettre au. Hein ? Ouais, il faut que tu mettes 10 litres de plus. C'est 2, hop. Et on va mettre 10. D'accord, ok. L'environnement dégagé, les portes verrouillées, bon tu peux garder de l'air si tu veux pendant le démarrage, j'ai pas de problème avec ça. Fusible pompe numéro 1 enfoncé, pompe électrique on, on écoute le bruit. Voilà. Le gouvernant off, clignote lentement, c'est bon. La pompe aux 2 on, on écoute le bruit. Ouais. Numéro 2, on entend le bruit, c'est bon, tu peux même la mettre sur off. Après, alternateur on, ça d'accord, c'est la ligne 2. Ouais. Ok, allumage sur bof. Ouais. Vous voir, le démarrage est hyper simple. Et 8 ou 9%, c'est quoi? Ah, c'est ralenti. Ouais, c'est ralenti. D'accord, compris. Et le start. C'est bon pour toi? Le start, ouais. Alors, mise en route. On a l'impression de démarrer un scooter, c'est génial. Ouais, j'avoue. Je mets juste les light nav on. Ouais, comme ça fait le même bruit. Lumière. Ouais, ça fait le même bruit. Et bah écoute, tout est bon pour moi. Ouais, je vais tourner la checklist. Bon, la pression d'huile est montée. Ouais. On a 4 barres, donc c'est dans le vert. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Alors tu vois, un truc qui me gêne moi sur les affichages comme ça, c'est que t'as pas l'échelle. Quand t'as une jauge, tu vois où est le jaune, où est le rouge. Ouais, ouais. Et du coup, tu vois si t'es loin ou pas. Alors que là, je vois juste que c'est vert. Ouais. Et je sais pas si on est peut-être à point 1 du rouge. On doit être chaud là. Ouais, là c'est bon, on a 56 degrés de température. On est chaud. Donc on monte à 75% pour les tests magnéto. Ça, c'est 4000 tours pour vous, c'est ça? Ouais, c'est 4000 tours. Ouais. Ça correspond à peu près, normalement, sur un moteur, on fait les tests magnéto à 75%, c'est vrai. Hop. Et je crois que ça correspond, tu vas voir. Alors, j'ai noté que la poignée des gaz est très très piquée. C'est-à-dire que vraiment, il faut y aller tout doucement. On prend... Pour un millimètre, tu prends 200 tours, quoi. Voilà, on arrive à 4000 tours. Je vais un peu lentement pour bien prendre mes marques. Une et deux. Maintenant, il faut quand même que je vérifie qu'il est pilotable. Une et deux. Ok, c'est pas mal. J'essaye la roue libre. Ça désynchronise parfaitement. Okay. Les deux, c'est bon. Et ben, on est chaud. Pour moi, c'est bon. Hein. Ouais. Allez. Et donc là, je vais à 80% et Attends, je vais fermer ma porte quand même. Et j'enquille le gouvernant. Ouais. Après avoir retiré la friction. Bon, c'est un processus de démarrage qui est très proche de celui des autres hélicoptères, mais je ne sais pas si vous avez noté un petit détail. On n'a jamais embrayé le rotor. Ça s'est fait automatiquement puisque on a un embrayage centrifuge. Je mets le gouvernant. Mais... Ouais. Alors, je fais gaffe à la régulation. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bah écoute, c'est bon pour toi, on y va. Allez, c'est bon. Allez. T'es prêt ? Ouais, c'est bon. Alors je mets un tout petit peu de puissance et je vais chercher l'accrochage. Ok, et dès qu'on l'a, je rendrai un peu la barre. Voilà, voilà. Le rotor au-dessus de l'obstacle. On est bon. Ouais, c'est bon. Et on tire 32 pouces. Ouais. Avec une OAT de 27 degrés. C'est que tu restes à gauche ? Mais t'es à gauche, c'est bon. Ouais, merci. Du coup, si on se retrouve sur un circuit automobile aujourd'hui, c'est pas un hasard. Toi, t'as grandi, on peut même dire que t'es tombé dans la marmite de la course automobile, du sport automobile quand t'étais gamin. Et comment, quand on grandit avec des voitures exceptionnelles autour de soi, on décide de finalement plutôt faire de l'hélico? Mon père est pilote de rallye, donc j'ai baigné dans le sport automobile toute ma jeunesse. Et après, en fait, j'ai un peu goûté à l'aviation et à l'hélicoptère, et j'avoue que je ne retrouve pas les mêmes sensations en voiture qu'en hélico. Ah, tu t'imagines bien que c'est pas moi qui dirais le contraire. Oui. Je pense que tous les deux, si on devait faire le Paris-Dakar, on voudrait le faire dans l'hélico, pas dans la voiture. Exactement. Exactement. Ah ouais, c'est super joli. Donc je vais passer au-dessus du poteau rouge et blanc, là, pour la sécurité. La ligne, là, je rappelle à tous les abonnés, tous les pilotes d'hélicoptère, que vous soyez débutants ou confirmés, quand on passe au-dessus d'une ligne, on passe au-dessus du poteau. Comme ça, on est sûr de ne pas prendre des fils qu'on n'a pas vus. Et si possible, on essaye de clairer le poteau assez largement. Typiquement là, on pourrait avoir des petits rabattants, donc je passe largement au-dessus du poteau.
Et puis il y en a un autre à gauche, donc on a l'axe de la ligne. Je repasserai au-dessus de l'autre. On fait une petite approche Cosromène Colline. Allez, sorti. C'est là où on a l'autorisation, on est d'accord. Très présent. Sécurité à gauche, on a personne. Sécurité à gauche, personne. Et ben je vais repasser légèrement au-dessus de l'autre poteau. Ouais. On se prépare à éventuellement avoir des petits rabattants dus à la colline qu'on a sur notre gauche. Ouais donc l'hélicoptère, bah en gros, t'as touché une ligne d'hélicoptère et t'es devenu accro comme moi, quoi. Exactement, ouais, ça a pas mis longtemps pour redevenir accro en fait. Ah c'est terrible, t'as ouais. Touché à ça, c'est une rupture. J'arrête pas de le dire. C'est terrible. On fait gaffe pour qu'il n'y ait pas des rabattants, ça a l'air assez stable. Ouais, ouais, c'est linéaire. La puissance, on est largement tranquille, on n'est même pas dans le jaune. Ah, il y a des oiseaux devant, on fera gaffe au décollage. Ah, tu vas avancer un peu pour pas être... Ouais, ouais. Hop. On va poser. Ça se prend plutôt bien en main. Le truc que j'ai noté là sur l'arrivée sur la drop zone, donc on a un petit peu de vent de face. On n'avait pas trop de rabattants, c'était bien. Et le rack se comporte un peu comme un fenestron, c'est-à-dire que quand on arrive en tirant un peu de puissance, on est vraiment obligé d'aller loin à faible vitesse. Ça n'a pas l'air complètement symétrique sur toute la plage. Donc ça c'est intéressant, il faut le savoir. On va se faire une petite prise de vitesse dans la pente, donc là on est face au vent. Ouais. Et puis on va aller voir notre DZ. Allez, c'est bon, allez. Hop, on soutient au collectif. Et on fait gaffe aux arbres. Hop, la vitesse. Voilà, on a la vitesse, c'est nickel. Maintenant, on est safe. Et du coup, on peut quand même tirer 40 pouces pendant 5 minutes. Hein. Oui, ça, c'est la BMD, ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les hélicoptères, hein, on travaille beaucoup sur la puissance en piston. Et typiquement, on a la BMC, qui est la puissance maximum continue, qu'on peut utiliser tout le temps, et la BMD, seulement 5 minutes au décollage, c'est une puissance dérogatoire. Alors, en dessous, tu vois, l'état de sable, là, c'est la drop zone où on va se poser. On va dire que ça fait un an que j'ai commencé réellement et passer ma licence. Encore plus d'un que moi parce que franchement, sûr. moi j'ai commencé sur R22, je regardais les mecs qui faisaient du R44 en disant oh là là, dingo et tout. Un an et demi après, deux ans, j'avais acheté un R44. Ouais. Puis bon, j'ai eu un accident donc on a acheté le deuxième. Attends, je regarde bien quand même. Ouais. On a vérifié qu'il n'y avait pas de cap déjà, hein, mais okay. On va faire des belles images du pont, là, c'est beau. Et déjà, je trouvais qu'acheter un hélicoptère, c'était un gros commitment. Et toi, non seulement t'achètes un hélicoptère, mais en plus, tu deviens importateur de 6 carrés en France. On fait de notre passion, on va dire, notre métier. Donc, ouais. C'est plutôt agréable de travailler dans les choses qu'on aime. Ouais. Donc voilà, ça fait. J'ai eu l'opportunité de prendre l'importation pour les 6 carrés. Ouais. Donc voilà, maintenant, on s'occupe de tout ce qui est l'importation pour la France. Et aussi, on s'occupe de tout ce qui est vente et tout ce qui est entretien, donc des cigarettes. Ah d'accord. Bon bah jolie cette autre zone, regarde, droit devant. Ah c'est magnifique. Eh ben on redécolle de notre drop zone. Nickel. Et on continue cette interview donc avec le nouvel importateur de cigarettes en France. Et ah, l'oiseau devant. Ouais. Oh ça monte. Bon honnêtement je prends mon temps pour monter hein, parce que c'est très très beau. Mais je pourrais tirer beaucoup plus de puissance si je voulais. Est-ce que tu peux nous parler de cette marque? Elle est née il y a très longtemps, parce que Monsieur Sicaré, c'est un surdoué, moi de ce que je connais, qui a commencé à faire son premier moteur vers 15-16 ans, ouais. Et qui a commencé à faire des hélicos, qui était un peu cinglé, pas forcément le meilleur des commerciaux, mais il a quand même créé des machines qui ont... qui semblerait que le R22 soit en partie une extrapolation d'un Sicaré à la base. Exactement, donc en fait Sicaré c'est une personne qui est devenue une société qui crée des hélicoptères légers depuis 65 ans. Ouais. Ils ont fait 14 modèles d'hélicoptères, dont ouais. 4 qui sont encore en production, dont le Sicaré 8. Augusto Sicaré était assez innovateur, donc il a créé pas mal de systèmes qu'on retrouve sur des machines qui sont récentes ouais. Et qui marchent toujours. On se balade tranquillement à 40 nœuds. Je vais le pousser un peu pour aller à la vitesse de croisière, donc 70 nœuds. Voilà, on a pris 70, voilà. Et je suis à 30 pouces. Ouais. Alors ça consomme combien à 30 pouces cette machine? Alors à 30 pouces, il faut compter entre 20 et 23 litres à l'heure, ce qui nous permet de voler avec le réservoir qu'on a de 2h30 à 3h d'autonomie, tout dépend de la vitesse de croisière qu'on veut tirer. C'est-à-dire en fait, pour 20 nœuds de moins que mon cabri, tu consommes moitié, enfin un peu plus que moitié moins. Ouais. Bon, après, c'est pas vraiment comparable en termes d'emport de charge, oui, etc.
mais globalement ça donne des points de repère aux, aux gens. Évidemment, encore une fois, on ne peut pas comparer des classistes et des certifiés parce que ça ne nous amène qu'à faire des contresens dans tous les sens. C'est pas la même chose et c'est pas la même philosophie de vol. Ouais, exactement. Et bravo. Voilà, quand on fait son choix, il faut vraiment savoir vers où on va. Ça te va, je te fais pas peur, hein? Non, non, c'est bon. Okay. Non, c'est très bien là. En plus, tu m'en mets plein les yeux aussi, donc ça va. Au niveau de la maintenance, c'est comment un 6 carrés? Donc une maintenance de 6 carrés, en fait, donc du coup, c'est tous les 100 heures, principalement. Ouais. Les grosses révisions, donc elles arrivent aux 600 heures, comme la plupart des ULM classiques. Ouais. Donc là, voilà, c'est la, l'inspection des boîtes de transmission. Ouais. Bon, du coup, ça, c'est un peu l'immobilisation de ta machine, forcément. Voilà, c'est une immobilisation, mais ce qui carré, ce qu'il propose, ouais. En fait, c'est un échange standard, donc des boîtes de transmission, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à la 600 heures, ouais. On commande en, préalablement les boîtes de transmission, et en fait, on les échange, donc on peut les échanger contre des neuves, d'accord, ou contre des révisées. Ouais. Donc ça permet de réduire en fait le temps au sol de l'hélico pendant l'entretien, donc d'accord. Alors attends, je me concentre pour l'atterrissage sur la DZ. Ouais, vas-y. Alors on ne pourra pas montrer cet atterrissage parce que le propriétaire nous a autorisé à poser, mais il y a un truc qu'on ne peut pas montrer, donc voilà, on se pose et on vous reprend tout de suite après. Donc, suite de l'interview, ça fait deux fois, mais on est obligé de faire des stops à cause des caméras. C'est un peu sportif, mais bon, mais ça nous permet de faire des belles images aussi sur la rivière. On n'aurait pas pu descendre plus bas, aussi bas que ça si on n'avait pas eu cette autorisation, donc on remercie le monsieur qui nous a autorisé et qui se reconnaîtra. Ouais. Je vais tourner à gauche là et, et on est en finale. Bon bah c'est chouette. Alors on va faire attention parce qu'il y a des pompiers qui s'entraînent sur la piste. Vous avez une petite vue là du circuit d'Issoire. C'est de là qu'on a décollé ensuite pour rejoindre notre drop zone de tournage. Vous allez voir à l'atterrissage, je vais me poser à côté de mon 44 qui nous a précédé. C'est lui qui faisait les plans de l'extérieur avec Mathieu et Morgan à bord. Ben, moi je m'amuse bien avec cet hélicoptère. Je trouve que c'est plutôt, plutôt sympathique, ouais. Ça se prend en main hyper facilement. Franchement, j'ai l'impression tu vois, j'ai l'impression d'être sur une machine que je connais, 49, je vais me concentrer pour l'adresseur. Ouais, je vais le poser sur le chemin en goudron là devant. Ouais, c'est bon. Hop, on a le vent de face. Quelle la puissance. Aucun souci. On est deux dans la machine, on a une OAT de 27 degrés. Et là, on tire même pas dans le jaune. Hein. Donc c'est plutôt rassurant. Ouais, après, hein, faut le savoir, les classiques... Les gens qui disent que les classiques sont pas puissants, c'est oui. Il y a peut-être des reproches qu'on peut faire aux classiques, mais la puissance n'en est pas un. Nous, on n'a pas de turbo. Ça te va comme atterrissage? Ça, c'est parfait, ça. Bon, parfait, même. Oh, le mec qui frime. On va réduire, puis on. Allez. Couper le gouvernant. Ouais. Couper le gouvernant. Hop. Et c'est bon. Après, tu peux réduire doucement, tout doucement. Bah, écoute, moi, je me suis bien amusé. L'habitabilité et la visibilité, bah vous le verrez hein, dans le film, moi j'ai trouvé ça super sympa. Ouais. Et en dehors de... Voilà, moi j'ai pas testé beaucoup de classiques, mais je trouve ça plutôt sympa. Il y a plein de trucs qui sont rassurants, tu vois les palonnites, on voit que c'est du métal usiné et que c'est un truc massif. T'as pas l'impression que tu vas les tordre si tu crispes un peu, etc. Exactement. J'aime vraiment bien l'habitabilité et la visibilité de la machine. On est plutôt confort. Ouais. Je suis assez large d'épaule. C'est pas parce que je suis costaud, hein, c'est parce que je suis gros. Et toi, bon bah voilà, t'as une bonne carrure, mais franchement on est confort. Ouais, exactement. Un énorme plus pour le manche central, là. Ouais. Façon Robinson. Alors il y a plein de gens qui détestent parce qu'ils aiment bien avoir un truc entre les jambes. Moi j'ai pas de problème de ce côté-là et du coup bah, pouvoir m'asseoir sans avoir à lever la jambe quand je suis en jupe, bah, je suis content, tu vois. Donc ça me plaît bien. Non franchement c'est un beau petit jouet. Ouais. J'aime bien sa gueule. Donc je pense que voilà, je suis assez content. Ça m'a bien amusé. C'est vrai. J'ai une dernière question à te poser sur cette machine. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Encore une fois, quand on fait ce genre de choses-là, on ne fait pas un essai. On vous montre une machine parce qu'on nous a gentiment invité à l'essayer. On ne peut pas avoir un avis sur une machine si on n'a pas volé dessus des centaines d'heures. Moi, je peux vous dire que ma première impression, c'est que c'est plutôt agréable et que c'était un bon moment. Je ne me suis pas fait peur. Première chose que monsieur Guimbal, je peux le citer, je pense qu'il n'aura pas de problème avec ça, m'a dit sur les classiques. Je peux te dire un truc sur mon cabri, si toi tu décides d'aller à droite et l'instructeur à gauche, vous ne casserez pas le manche, il est palonnier. Il est. Je dis sur un classique, c'est pas garanti. Ouais, ouais. Et c'est un argument qui avait percuté, et la première fois que je suis monté dans un classique, que je nommerai pas, j'ai mis mes pieds sur les palonniers et j'ai pensé à Bruno Guimbal. Et je me suis dit, putain,
je vois de quoi il parlait. Ouais, ouais. Et là, bah, tu vois, sur cet hélico, j'ai pas eu cette impression-là. Et voilà, moi, j'ai bien aimé le rack qui est clairement surdimensionné pour une machine comme ça, ouais. Et ça fait du bien, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Le mécanisme est vraiment un mécanisme que vous pouvez retrouver sur plein de machines et tout est apparent, les commandes sont apparentes partout, on peut tout inspecter sans démonter la machine, ça c'est un truc que j'aime bien. Et puis voilà, ouais, ça a l'air costaud. Après, moi, voilà, je reste toujours un peu inquiet avec les doubles allumages qui viennent de la compétition moto, là. Ouais. C'est le truc, je sais pas, il paraît que si tu les claques pas dans les 25 heures, il vit toute une vie, ouais. C'est ce que j'entends souvent dire. Voilà, celui-là a plus de 25 heures, apparemment, c'est vrai, ça passe bien. Y a pas de problème, donc c'est bon. Ouais, voilà, écoute, c'était une bonne dose de fun, j'étais super content de faire ça. Merci de nous avoir accueillis sur ton circuit hier soir. Plaisir, plaisir, c'est pour moi. Et puis, on fera un petit tour de voiture. On peut faire. Bon, ben, si vous restez, vous allez voir un petit tour de circuit avec Fabien et vous allez voir, il a de l'or dans les mains. A tout de suite. Merci de ton invitation, Fabien. Merci beaucoup. C'était super cool. Quentin, merci. Ciao. C'était Low Fuel. En hélico, je fais le malin, mais là, un peu moins, quoi. Ouais, t'es prêt? Ouais. Non, attends. Attends. Matt? Ouais, tu vois. Regarde. Ah! Là, ça va beaucoup mieux. Là, t'es prêt? Je suis prêt! T'as vu qu'il y avait un mirage, hein? Ouais.